May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, throwing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Hold it now, wait, hold it. Salut à tous les Warriors, c'est Fortech. On se retrouve aujourd'hui pour ce commentary avec la MP7, chargeur grande capacité silencieux, avec les mêmes atouts que la PDW avec laquelle j'avais réussi à faire 119 kits dans la précédente vidéo, dans le précédent commentary. Entre temps, il y a eu le montage vidéo. Mais je vous invite à regarder un petit peu le montage vidéo que j'ai fait, c'est vite fait. Hein. Mais bon, voilà. J'ai donc fait ce petit carnage à la MP7. Je vous avoue, j'ai fait une tentative plus de 100 kills. J'ai essayé de battre mon précédent record là, de la PDW par contre, pardon. Donc voilà, dans ce petit carnage, je vais vite fait vous expliquer mes killstreaks. C'est exactement les mêmes que dans la dernière vidéo. C'est encore microstation orbitale, chien et groupe de chasse. Et sur la map, c'est en domination guerre terrestre, pardon, j'ai oublié, ou guerre de territoire, je ne sais pas exactement. J'ai oublié de vous le préciser. Et 9v9, les killstreaks comme le groupe de chasse et les chiens. Je peux vous garantir que ça bombarde et ça fait vachement de kills. Et c'est bien le seul mode sur lequel j'arrive à faire des 100+. Sur les autres modes de la démolition, il faut être en groupe et il faut être vraiment bien coordonné si on va arriver à faire durer la partie. C'est surtout ça le plus important. Mais en guerre de territoire, je vous avoue que moi je me suis bien régalé. Vous pouvez voir que les chiens et le groupe de chasse, normalement si vous ne faites pas tuer entre les deux séries, que vous allez faire, si vous arrivez à le mettre une fois, ça vous amène pas mal de, vous allez voir, ça vous amène pas mal de points pour votre série d'après, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Pour votre série d'après, vous allez voir que la microstation orbitale va se débloquer très vite. Il suffit de sécuriser deux positions, tuer deux ennemis de plus en théorie. Si ça marche bien sur raid, normalement le groupe de chasse fait un énorme carnage. Couplé aux chiens, ça les sort des bâtiments. Et je vous avoue que c'est un vrai plaisir à utiliser. Bon, bien sûr, je fais pas des 5 kills à toutes les parties, je suis pas le super héros de Call of Duty. C'est bien pour ça que je vous expose cette vidéo là. Je sais, j'ai déjà vu des 200 plus kills. Franchement, je me pose réellement la question parce que normalement, faut envoyer 5 groupes de chasse. Là, vous pouvez voir, avec 3 groupes de chasse, je pense qu'on peut atteindre les 100 frags. Mais des fois, je vois 4-5 groupes de chasse dans certaines vidéos. C'est assez impressionnant et je vois du 200 frags. Pour certains youtubeurs, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je débloque la station orbitale encore une fois. Et vous voyez que je me fais carrément avoir. Et donc je suis un petit peu blasé. Se faire baiser à la micro-station orbitale, excusez-moi du vocabulaire. C'est un peu frustrant. Sachant que j'ai mes deux autres killstreaks derrière. Mais bon, c'est pas grave. Justement, grâce à cette micro-station orbitale, je vais réussir à me faire une petite série. Ça va être assez sympa. Heureusement que j'ai eu quand même la micro-station orbitale, on va dire ça comme ça. Il me restait une minute, je me suis dit faut à tout prix que je débloque un autre groupe de chasse et des chiens pour la partie d'après. Pour commencer avec des killstreaks d'entrée, tant qu'ils sont neufs, parce que c'est pas évident en fait à la guerre terrestre quand ça rage quitte, vous retrouvez avec 4-5 ennemis des fois. Et c'est pas évident de mener son match au bout et d'arriver à faire 100 kills. La dernière fois j'ai fait un 64-0 en première manche et j'ai fait seulement 12 kills à la deuxième manche, tellement il y avait eu de rage kit. Je me suis retrouvé avec deux ennemis en face, c'est le plus dur à gérer. Pas dégoûter les mecs dans les parties qui se barrent direct dès qu'ils voient des chiens ou des groupes de chasse, surtout sur raid, à peine ils respawn, vous pouvez voir, ça va très très vite dans ce mode de jeu. Et donc ça rage kit énormément. Bon. C'est pas évident d'arriver à 100 kills. Dès que les mecs ils voient qu'à la première manche vous avez 50 kills, en théorie ça rage quitte. Surtout si c'est une team en face, vous pouvez vous assurer qu'ils vont tous partir quoi. Et du coup dans cette partie là j'étais solo et j'ai dit bah, je vais tenter, on sait jamais. Et vous pouvez voir, j'ai débloqué ma micro station orbitale dans la première manche. Je fais à peine 45 kills dans la première manche. Alors je me suis dit
Je me suis dit, en ayant fait 64-0 la veille, ça va être assez difficile de faire tous ces kills pour arriver à 100. Surtout que la MP7, c'est pas forcément mon arme préférée dans le jeu là. Mais je prends encore mon pied à jouer avec. Maintenant que j'ai fait 100 kills, je vais peut-être un petit peu lâcher la MP7. Je me suis quand même très bien amusé avec cette classe là. C'est une très bonne arme la MP7, je vous avoue. En gérant, vous allez voir au coup par coup la MP7 à mi-distance. Franchement, c'est un pistolet assez précis quand même de loin. On parlait de mon arme 3, vous pouvez voir, je l'élimine déjà. Et là, vous pouvez voir le snipe qui est couché là-bas. Je l'élimine sans souci. Donc au final, ouais, la MP7, comparée à Modern Warfare 3, elle est quand même vachement moins boostée, c'est sûr. Mais il y a moyen de faire de très bonnes parties avec. D'ailleurs, j'ai réussi à battre mon nombre de kills dans une domination. Et je suis assez content d'avoir utilisé cette arme-là, alors que je l'ai boudée un petit peu au début, vu la réputation qu'elle avait sur Modern Warfare 3. Je l'ai boudée. J'ai dit, peut-être que je la ressortirai un jour. Je l'ai essayé vite fait au début. Et là, j'ai ressorti et je vous avoue que je regrette pas finalement. Et elle est pas si abusée que ça sur ce jeu-là. Et je prends vraiment un bon plaisir à l'utiliser. Là, j'essaye de faire des tentatives sans kill avec un peu tous les pistolets mitrailleurs. Et là, je suis un petit peu en train de me prendre la tête donc avec la Vector. J'ai un petit peu de mal à l'utiliser. Et j'espère que ça va venir vite. Et là, vous pouvez voir, il m'a flash copé. J'étais en train de prendre la position. Mais bon, c'est pas très très grave. Sachant que c'est le début de partie, mon groupe de chasse, vous pouvez voir qu'il fait énormément de travail. Comme je vous disais, il suffit que les ennemis ne rage quittent pas et vous pouvez voir qu'à chaque fois que le groupe de chasse passe, vous pouvez voir la barre des feeds, elle est pleine. D'ailleurs, c'est peut-être un peu rageant pour les alliés, parce que au final, je leur offre pas beaucoup de choix quand il y a le groupe de chasse et les chiens. Mais moi, en attendant, j'essaie d'aller le plus vite possible sur les positions. Et c'est ça qui me fait vite remonter ma barre de feed. Faut vite faire remonter la barre de feed, la barre de kill streak. Faut vite la faire remonter pour avoir une micro-station assez rapidement, céder du fait que l'ennemi est terrassé en fait. Et c'est là qu'on arrive à faire du kill facile quoi. Quand l'ennemi est carrément sous les deux gros killstreaks, c'est assez facile. Donc voilà, vous pouvez voir, le groupe de chasse et chien vous amène assez rapidement proche de la micro-station. Un ou deux kills, deux positions, et normalement c'est bon. Et c'est là que sur ce jeu, j'ai découvert un nouveau visage de ma personnalité, enfin du moins de mon mode de jeu, on va dire ça comme ça, parce que ma personnalité ça veut rien dire. C'est surtout du mode de jeu et du type de jeu que j'applique. C'est surtout de la capture de drapeau. Capture de drapeau A, B et C, alors que sur Modern Warfare 3, sincèrement, ce qui m'intéressait plus c'était de faire des kills et d'avoir mes bonus spécialistes assez rapidement. Ça comptait pas forcément pour faire mes bonus spécialistes, alors du coup, je m'en moquais un petit peu. Et là, je vous avoue que je joue vraiment énormément l'objectif. Et ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Du coup, voilà. Pour continuer, oui, j'ai pas forcément une grosse activité sur ma chaîne. Vous pouvez voir, je vous poste une vidéo toutes les semaines, on va dire ça comme ça. Une vidéo toutes les semaines, semaine et demie maintenant. Tout simplement parce que je vous propose que les bonnes parties, on va dire, déjà à plus de 100 kills. C'est déjà raisonnable. Parce que les parties à 80, 85 kills, bon ben voilà, ça m'intéresse pas de vous les mettre. Pourtant, ce sont des très jolies parties. Mais c'est toujours la même chose, c'est domination raid. Alors j'essaie de vous proposer d'autres modes de jeu en tentative 100 kills ou proche de 100, on va dire ça comme ça, pour rester modeste. On verra bien ce que je vais vous proposer par la suite avec la Vector, où on verra bien la petite mitraillette que je vais essayer de. Utiliser. Bon, j'obtiens mon troisième groupe de chasse et chien. Vous pouvez voir, ça va aller très vite et ça tombe très bien. Il reste 1 minute 16. Alors là, c'était quand même tendu parce que mon objectif c'était arrivé à plus 100. Et j'étais pas loin là. Je vous avoue que je pense que je les ai même dépassés. Et j'étais obsédé par le fait d'avoir un quatrième groupe de chasse en moins de 30 secondes. Et vous allez voir que je me suis fait avoir. Et pourtant, j'aurais pu le faire. Si j'avais bien lu ma micro-station orbitale, il faut vraiment avoir l'œil sur le radar dans ce jeu-là. Surtout sur cette map qui est assez petite. Toujours l'œil sur le radar, ça aide. Et vous allez voir que je me suis trompé à la fin. Mais j'aurais pu avoir un quatrième groupe de chasse et peut-être faire mieux. Alors je me suis fait avoir la micro-station, donc ça fait déjà 3 micro-stations. Ça serait sympa d'en faire quand même une quatrième et voir le groupe de chasse. Et donc voilà. Et là, je vais commettre une erreur, mais bon, en même temps, il reste que 30 secondes, alors. Bon, il aurait servi à rien, mon groupe de chasse.
Il y aurait eu peut-être 30 secondes avant. Je pense que j'aurais fait un carnage. Et là, je me fais quickscoper encore par ce snipe. Il était quand même pas mauvais. Il a tenu le jeu toute la partie. Sans rush quitter, déjà, c'était sympa. Et du coup, voilà. On approche à la fin du gameplay. Je termine donc sur un 121-6. Avec 10 captures. C'est quand même pas mal. Ce qui m'a aidé pas mal pour obtenir mes killstreaks et donc passer ce 120 kills que j'attendais dans la précédente vidéo et que j'ai faite. Que j'ai fait ce coup-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à plus sur ma chaîne. Ciao, c'était Fortech.